allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Alors là vous voyez j'ai plein de colis. Et oui, si vous avez regardé mon dernier vlog, je suis partie une semaine en vacances et du coup bah mon gardien a récupéré tous mes colis. Et encore là, hein, c'est pour vous dire qu'il y en a encore plein. Donc il y a une montagne de colis à ouvrir ensemble. Bon, je vais commencer tout d'abord par celui-ci. Je l'ai ouvert hier, mais j'ai pas osé le swatcher parce que j'étais trop contente et je voulais le swatcher aujourd'hui avec vous en vidéo. Comme ça, c'était l'occasion. C'est un rouge à lèvres, un brillant à lèvres Lucie Dalabra de chez Kiko, un lip gloss 3D Hydra. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé des produits Kiko. J'en ai eu un à mon anniversaire, un petit rouge à lèvres. Et du coup, là, voilà, c'est ce packaging-là. J'en avais vu pas mal dans certaines vidéos, mais j'ai jamais craqué au magasin. D'ailleurs, il est quand même pas mal assorti à mon vernis à ongles, qui est le vernis première de chez Dior. Je vais vous faire une vidéo sur mes vernis Dior. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le tester avec vous là. Je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, on teste. Alors, la couleur n'est pas du tout comme sur le packaging, hein, vous voyez bien par vous-même. C'est un gloss qui colle un petit peu, mais ça va, légèrement. Je pense qu'il sera agréable à avoir toute la journée. Mais voilà, il n'est pas aussi foncé que sur la couleur. Après, peut-être qu'on peut mettre plusieurs couches pour avoir une couleur plus intense. Mais j'ai peur que si je mette plusieurs couches, ça devienne trop pâteux. On verra au fur et à mesure de la vidéo, mais ma foi, il est pas mal. Ça reste une couleur discrète et passe-partout pour tous les jours, hein. Et qui brille un petit peu. Je sais pas ce que vous allez en penser, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais bon. Faut que je l'utilise plusieurs fois pour me rendre compte hein, vraiment si ça me plaira, mais voilà pour ce premier truc. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Blanc Crème. Je l'ai pas ouvert, hein, mais je l'ai juste pré-ouvert pour pas faire de bruit. Donc de chez Blanc Crème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Karine, merci pour votre envie de faire encore une fois découvrir nos produits. Je vous souhaite un bon moment avec le coffret à la noix de coco. Merci, Malium. Et ben c'est super cool. Donc effectivement, la dernière fois, je vous ai parlé dans une autre vidéo, dans une vidéo unboxing, des petits savons de chez Blanc Crème style Madeleine que j'ai adoré. D'ailleurs, il y en a un dans ma salle de bain, il est vraiment top. Et du coup, la marque proposait de tester un coffret soit à la noix de coco, soit à d'autres odeurs. Je crois qu'il y avait mangue et je ne sais plus lequel. Le troisième, du coup j'ai choisi fraise, je crois, fraise. Alors la mangue j'aime bien, mais je sais pas, sur le visage ça me disait moins, et la fraise ça me disait pas sur le visage, mais noix de coco ça me plaisait bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un joli coffret comme ça, Blanc Crème, il est trop mignon. D'ailleurs, encore une fois, si vous voulez une vidéo sur les idées cadeaux de Noël, ça peut être vraiment pas mal. Donc voici comment ça se présente. À l'intérieur vous avez donc un trio essentiel visage apaisant à la noix de coco. Donc en 3 étapes, se démaquiller avec l'eau micellaire à la noix de coco, préparer sa peau avec un gommage visage au bambou et l'apaiser avec le masque sorbet à la noix de coco. Moi j'adore leurs produits pour le corps, donc j'ai hâte d'en tester d'autres d'ailleurs, produits pour le corps. Mais là, leur visage il est en poudre, hein, je sais pas si vous voyez, il est en poudre, donc ça doit être quasi de la noix de coco mixée. Ah non, pardon, c'est au bambou. Je me trompe, le gommage il est au bambou, mais le masque sorbet à la noix de coco ça me dit bien. En plus le fait que ce soit des petits formats, je trouve ça trop bien, que ce soit pour offrir, même pour vous, pour tester. Et l'eau micellaire dans une petite bouteille comme ça qui a l'air trop mignonne. D'ailleurs bah, c'est marrant, on dirait plus un gel qu'une eau micellaire, c'est rigolo. Mais voilà, je trouve que le packaging est trop mignon, une super idée cadeau. Voilà, il est trop girly avec leur petite demoiselle à chaque fois là. Les packagings encore une fois, moi je craque, hein, je craque. Et bien sûr, je vous en reparlerai dans une future vidéo, je pense, idée cadeau de Noël. Et une future vidéo bah, quand je les aurai testées. Puisque comme c'est des petits formats, je vais les tester sans problème et assez rapidement. Donc je pourrais vous en reparler très prochainement. Je vous invite à aller découvrir le site en barre d'infos. D'ailleurs, je crois qu'attendez, un produit offert par mois pour la meilleure photo Instagram. Donc voilà, pourquoi pas. Et bah, il y a tous leurs livres, il y a leur Instagram, etc. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos. Ensuite un autre colis, alors celui-ci, oh, il est gros et il est pour vous aussi. Toulou, puisque vous voyez il y a deux lots dedans. Il y a un lot pour moi, un lot pour vous, pour qu'on teste ensemble. Encore une fois les produits Garnier, vous savez que ce sont des références. Que ce soit pour mes cheveux, moi d'ailleurs dans ma salle de bain ce sont des produits Garnier. Pour le visage vous avez tout ce qui est eau micellaire, biphasé, etc. qui existent et qui sont vraiment bien pour le visage. Et là, oh surprise, il y a trois produits, je pensais qu'il y en avait que deux, je sais pas pourquoi. Donc ce sont leurs nouveautés à base de miel, si je le me trompe. Mais il y a quatre produits.
truc de dingue. 4 produits. Donc moi j'avais repéré celle-ci qui m'intéressait bien, c'est un tonique végétal réconfortant au miel de fleurs avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour les peaux sèches, et ce qui est mon cas, surtout pendant cet hiver, sans parabènes, sans silicone, sans colorant synthétique. Donc voilà, elle me plaisait bien, en plus je trouve que le packaging il est vraiment pas mal, comme d'habitude leurs packaging sont sympas, je sais pas, je trouve qu'ils sont attrayants. Du coup, ils ont mis avec le lait démaquillant. Oui, je savais pas qu'il y avait le lait démaquillant, j'ai pas fait attention. Toujours végétal, réconfortant au miel, enfin la même gamme. Donc voilà, vous avez le lait démaquillant, le tonique, vous aussi vous pouvez gagner. Là, c'est pour moi, mais il y a le sachet pour vous. La crème, du coup, de jour végétale qui nourrit et répare toujours au miel de fleurs. Donc ça, c'est juste trop sympa. Et avec ceci, le dernier, c'est le baume végétal nourrissant confort. 3 en 1, jour, nuit et masque. C'est dingue ça, mais ils ont fait vraiment une gamme complète. D'ailleurs, ça ressemble à un pot pour comme les masques pour les cheveux. Là, cette fois-ci, c'est pour la peau du visage. Donc, c'est un soin de jour. Ça peut être aussi un soin de nuit et un masque en même temps. Enfin, voilà, ça fait tout. Donc, c'est top. Et voilà, en masque, vous pouvez l'appliquer en couche épaisse pour un effet pansement en évitant le contour des yeux et des lèvres. Laissez poser 10 minutes, puis retirer l'excédent avec un coton. Un peu style, vous faites ça le soir en couche épaisse et vous enlevez l'excédent avec un coton, puis vous dormez, voilà, la peau sera hyper hydratée. Trop bien, 96% d'origine naturelle. Moi, je vous avoue que les produits Garnier, j'en suis plutôt fan, surtout ceux pour les cheveux, ça vous devez le savoir, je vous en parle souvent dans mes vidéos, produits terminés. Là pour le visage, j'ai une gamme pour le visage pour les peaux acnéiques, mais ce n'est pas dans mon cas maintenant. Donc là, je trouve que celle-ci pour les peaux sèches, c'est vraiment bien. Donc voilà, de toute façon, c'est très réputé le miel pour les peaux sèches. Donc voilà, donc retrouvez-moi sur Instagram pour remporter vous aussi cette routine pour votre peau cet hiver. Donc là, je vous invite vraiment à aller me rejoindre sur Instagram si vous voulez gagner ce lot. Je trouve que Garnier, ils sont vraiment archi généreux à vous offrir des lots aussi top quoi, aussi top. Donc merci encore à la marque Garnier, vraiment c'est top. Donc voilà, le sachet que je viens d'ouvrir et puis celui-ci qui est pour vous. Troisième colis qui est celui-ci, et je pense que c'est une box parce que waouh, elle est sublimissime, de la marque Prescription Lab. Je n'ai jamais testé cette box là et du coup bah j'étais ravie d'être sélectionnée. C'est une box maman enfant si je ne me trompe pas. Regardez-moi le packaging, d'ailleurs ça sent super bon. Elle est divine la box, elle est divine. Oula, ça va sortir. Elle est trop jolie avec des petits oiseaux comme ça. Je trouve que maman-enfant, c'est très joli pour une déco dans une chambre. C'est raffiné. Vous avez le petit nœud là qui est hyper bien fait en plus. Donc j'ai l'impression que quand je parle, mon rouge à lèvres, il va s'en aller. Donc voici le petit menu qui est trop mignon comme ça. Je pense que cette vidéo va durer 20 ans comme d'hab. Hein. Donc dedans, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ça sent super bon, ça sent mais c'est une tuerie. Alors vous avez tous les produits je pense à l'intérieur. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Oh là là, elle est trop belle la box, elle est trop belle la box. Regardez-moi ça, comment elle est archi bien remplie. Et voilà, je vous mettrai les liens. La vie est belle en famille. Non mais je trouve qu'elle est superbe. La boîte est superbe, la box est superbe. Regardez la boîte, en plus elle rappelle aussi cette boîte là de la bougie. Donc bougie parfumée, figuier, cire 100% végétale, fabriquée à Grasse avec amour, et ça s'appelle Et moi. Oh, et ça sent hyper bon, ça sent hyper bon. Et donc là, ça correspond, je trouve, à toutes les mamans, une bougie comme ça qui peut se mettre à la maison. Le fait qu'elle soit en plus made in France, oh, ça sent super bon, mais ça sent, mais j'adore la figue. Mais alors là, regardez-moi ce packaging, il est divin. Il est divin. Non, là, je suis déjà conquise. Il n'y a pas besoin. Juste la boîte et la bougie, ça aurait suffi. Mais je suis déjà conquise. Ensuite, je vois un baume corps thé vert et aloe vera de la marque Prescription Lab. Le baume qui reconnecte l'esprit au corps, le corps au cœur. C'est bien dit, disons. Ah, bah c'est hop. Oula. C'est un lait hydratant parce que c'est pas. Je pense que c'est plus un lait qu'un baume. C'est agréable l'odeur. Parce que c'est assez fluide. C'est pas, moi pour moi un baume c'est plus gras, c'est plus, comment dire, c'est plus comme un beurre presque. C'est peut-être que moi. Ça pénètre super vite et ma foi, c'est une odeur hyper douce, hyper discrète. Ça va, c'est pas entêtant du tout, c'est hyper doux. Ça sent pas fort le thé vert, donc ça, au niveau de l'odeur, si vous n'aimez pas les odeurs fortes, ça vous ira très bien. Moi je vais l'utiliser sans problème, surtout qu'en ce moment je suis archi fan des produits corps. Ensuite on a un Fluid Detox Anti-Pollution et Éclat à l'eau d'orange et pulpe d'acérola de la marque Bionux.
Bio Beauté par Nuxe, pardon. Mais ça, c'est genre trop bien aussi. Voilà, un petit produit comme ça. Donc, c'est une sorte, je pense, appliquer le matin ou le soir sur le visage et le cou. Une crème, en fait, un peu une... Enfin, c'est un sérum ou une crème? Une sorte de crème, voilà, qui va éviter votre peau bah, d'être remplie d'impuretés, surtout quand on vit à la ville comme moi. Donc, ça, c'est cool. Un petit produit qui pourrait être pour maman et pour ma fille. D'ailleurs, j'avais découvert une marque comme ça pour les enfants de vernis. Donc voilà comment ça se présente. D'ailleurs le packaging il est trop bien, hein, il est trop mignon, regardez. De la marque Nailmatic de chez Paris. Donc pour la maman ils ont mis voilà un petit rose comme ça sans paillettes. Et pour notre fille, donc ça tombe bien parce que j'ai une petite fille qui commence à vouloir mettre des petites choses comme ça. Un vernis voilà rose avec des petites paillettes qui s'enlève à l'eau du coup. Donc là c'est un vrai vernis pour maman, un petit rose. Et du coup si la poupette elle veut faire pareil que maman, elle a son petit vernis à l'eau. Donc ça c'est top. Alors j'espère qu'au niveau de la composition c'est bien. Il y a une marque aussi française. Mais je sais pas, c'est pas la même, je crois pas. À vérifier, mais je crois pas. Mais en tout cas là ça s'appelle Mum and Me. Et 100% made in France. Testé dermatologiquement. Et 100% partner in cream. Qu'est-ce que ça veut dire? In crime, in crime, pardon. Donc bah, ma foi, ça c'est cool. Ma fille va être trop ravie. Donc, de toute façon, si je les utilise sur elle, je vous montrerai ça sur Snap. Ensuite, on a un petit sachet comme ça avec d'autres petits produits. Donc, avec écrit prescription lab, ma parenthèse de beauté. Et à l'intérieur, on a encore trois produits, mais c'est juste ouf tout ce qu'il y a. Enfance, la marque Enfance, un shampoing douceur formule liquide de 0 à 3 ans. Mais ça, ça tombe bien. 99,5% naturel, made in France, sans parabènes, sans blablabla, etc., etc., etc. Je ne sais pas du tout si vous connaissez, je vais l'ouvrir. Oh, heureusement qu'ils ont mis une protection parce que ça a l'air d'avoir un petit peu coulé. Voilà comment ça se présente, le packaging. Ma foi, packaging simple. Ça a l'air de sentir le bébé. Ouais, ça sent les produits du bébé, donc c'est parfait. Sweet! Et cette box, elle est juste énorme. Ensuite, on a un produit... On a une miniature de chez le baume égyptien. Là. Crème tout usage pour la peau, usage universel, égyptienne magique. Et cette fois-ci, on a une vraie miniature. Vous savez, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous connaissez, c'est un baume qui fait tout, mais je le connais pas exactement, faut que je regarde un peu à quoi il sert. Et on a en plus de ça un nettoyant Nutri-Fluid de la marque Aven, le Tricera Nutrition. Donc visage et corps, pour les peaux sèches, sensibles et sèches à très sèches. Un packaging comme ça. Et du coup, ça c'est un appliquer, rincer et sécher. À partir de 3 ans, on peut l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis le petit logo famille. Donc ça peut être cool. Ma fille, elle l'utilisera pas, mais c'est parfait. Honnêtement, cette box est juste topissime. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, j'en suis plus que conquise. Je ne sais pas aussi si la marque, elle met les prix des produits. Non, on dirait pas. Mais ma foi, je vous mettrai toutes les infos sur cette marque-là, sur cette box-là, en barre d'infos. Mais moi, je suis déjà conquise par la box. Donc... Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi là, archi. Ensuite, j'ai reçu un petit bracelet d'une marque française. Du coup, je voulais vous en parler aussi ici. C'est la marque Rock Girly Top. De toute façon, je vous mettrai ici le nom et je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un bracelet qui est fait main, qui est fait vraiment avec des perles de rocaille. Je regarde mon petit papier pour éviter de vous dire des bêtises. Tissé une à une, à la main, avec de chaque côté du fil de cuir tressé. Et ça, c'est pour ça que ces petits bracelets, je vais vous le montrer juste après, il fait un petit côté chic et tendance. Il a un prix qui est plutôt abordable, puisque comme pour du fait main, c'est pas très cher. Ça a un prix de 12€. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir la créatrice, qui est une femme vraiment très très sympa, qui s'appelle Virginie d'ailleurs. Donc je vous invite à aller la découvrir. Hop, donc il était bien protégé dans du papier bulle. Et regardez-moi ça, comme il est beau ce bracelet. Tout en perles de rocaille comme ça, blanc, avec du cuir sur les bords. Il est magnifique. Il est magnifique. Honnêtement, il n'y a pas du tout de défaut. Il est classe. Alors, il y a un petit peu de... Je pense que ça doit être de la colle un petit peu sur les bords métalliques ici. Enfin, vous verrez peut-être pas parce que c'est vraiment du chichi. Mais honnêtement, ça a l'air plutôt solide. Donc, voilà. Oh, il est magnifique. Il faut que j'appelle ma mère après pour qu'elle me le mette. Regardez ce que ça rendra. En plus, voilà, moi j'ai un tout petit poignet, donc c'est parfait. Il est superbe. Il est superbe. Regardez, comme j'ai un petit poignet, il est parfaitement adapté à ma taille de poignet, donc c'est top. Après, pour celles qui ont des plus gros poignets, il y a des petites rallonges. Hein. Puis je pense que vous pouvez lui demander, lui dire votre taille de poignet, et puis lui dire si elle peut rajouter quelques petites choses.
mais il est vraiment beau. Voilà, je voulais un bracelet dans ce style-là parce que je trouve que c'est hyper sympa. Voilà, c'est classe, c'est sobre et blanc, ça va avec tout. D'ailleurs, ça ira très bien avec ma tenue d'aujourd'hui. Donc, je suis hyper ravie. Donc, je vous mets comme toujours les liens en barre d'infos, hein, je me répète. Mais voilà, je sais pas ce que vous allez en penser non plus. Moi, quand je fais ce genre de vidéo unboxing, j'aime bien quand vous me dites vos avis en commentaire. Donc, j'ai hâte. Bon, faut que je me dépêche là parce que sinon, cette vidéo va tourner 30 minutes. J'ai eu un petit produit de la marque Rivadouche, voilà, qui était emballé. Alors ça s'appelle, vous l'avez vu sûrement dans plein de vidéos, le Pop Éclat Touche Parfaite de chez Rivadouche, qui est un petit soin contour des yeux qui fait soin et en même temps qui fait anti-cerne. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la marque Rivadouche pour mes enfants, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est pour les peaux sensibles. Je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai déjà un anti-cerne d'ouvert, mais je trouvais le principe très sympa. Ça se présente comme ça en stylo et au bout c'est une sorte de pinceau un petit peu, voilà, que vous pouvez du coup utiliser sous les yeux. Donc ça fait un soin et en même temps un anti-cerne, donc du coup ça me plaisait bien. Donc ça, j'ai hâte de tester, mais pas tout de suite, hein, quand j'aurai fini mon anti-cerne. Je suis trop ravie parce que la marque Lancôme a bien voulu m'envoyer cette merveille, la toute dernière nouveauté de chez Lancôme, qui est le parfum La Vie est Belle, l'éclat. Regardez-moi le packaging, il est juste magnifique. Toujours pour les fêtes de Noël, ça peut être vraiment une idée cadeau parce que c'est le dernier des parfums Lancôme. Et le packaging, mais on n'en parle pas parce que vraiment il est merveilleux. D'ailleurs, il y a encore la protection là, sur la petite feuille, et j'ai même pas encore utilisé. J'attendais de vous montrer ça. Oh mon dieu, ils sont trop bons, ils sont trop bons. Oh là 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 là. Une tuerie. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez une vidéo sur mes parfums. Sur mes parfums. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, le rouge à lèvres, il commence à partir sur les bords. Hein. J'aime pas trop. Quand je parle, en plus, ça me gêne. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur tous mes parfums ou mes parfums du moment. Ou... Mais ils sont trop trop bons. Oh là 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 là. J'avais senti en magasin, mais là sur ma peau, il a vraiment une odeur que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et pour finir, presque. J'ai reçu trois produits, trois pinceaux de la marque Yves Rocher. C'est leur nouveau pinceau. D'ailleurs, packaging un peu bois comme ça, très joli. Ils sont super bien protégés. C'était scotché de partout et tout. Il n'y avait pas de risque qu'il y ait un problème. Je ne les ai pas du tout testés parce que je voulais vous dire mon avis en vidéo, hein. Ah, ils sont vraiment doux, parce que dans les vidéos, certaines filles disent qu'ils sont doux, mais c'est pas forcément vrai. Ouais, ils sont vraiment doux. Après, je vous invite à aller les tester en magasin. C'est l'avantage des Yves Rocher, c'est qu'il y en a partout. Et alors, il est pas très, pour un pinceau poudre, je le vois, moi, il m'en faudrait un plus gros. Ils disent que c'est un pinceau poudre, mais pour moi, c'est pas assez gros. Sauf si vous voulez vraiment... Il peut faire un pinceau poudre, mais bon, moi, je l'utiliserais peut-être plus pour le blush. Ou, ouais, peut-être plus pour le blush, mais sinon, il peut s'utiliser en pinceau poudre. Sinon, ils ont mis un autre pinceau qui est pour le blush. Donc voici celui pour le blush qui est un peu biseauté. Moi, j'adore les pinceaux comme ça, un peu biseauté. Oui, celui-là, il est parfait pour le blush. Ouais, il est pas mal. Ouais, je veux dire, le poudre, il est un chouïa petit pour moi. Mais bon, après, ça fera l'affaire. Et après, on avait avec ça aussi un crayon, un pinceau double en bout. Donc un côté plat et large et un côté un peu fluffy pour faire le creux interne. Donc ça, je pense que je vous les utiliserai dans une vidéo maquillage, si ça vous dit. Mais c'est mieux de les voir en action, je pense. C'est beaucoup, beaucoup mieux qu'en vidéo comme ça. J'ai reçu une enveloppe comme ceci, trop trop jolie. D'ailleurs, elle avait bien décoré de l'autre côté, mais je vous montre pas parce qu'il y a mon adresse. De ma copine Audrey de la chaîne Chiris Planner. J'avais fait un swap avec elle, un énorme swap, trop 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 bien. Donc je vous le remettrai ici. Et du coup, elle m'a envoyé un petit paquet. Je me suis dit, mais pourquoi elle m'envoie un paquet? Comment ça se fait? Et du coup, c'était pour mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire Karine, avec du retard. Elle m'a mis un petit mot trop trop mignon, mais il n'y avait même pas besoin de m'offrir quelque chose. Audrey, ça ne va pas dans ta tête. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais voilà. Elle m'a mis les petites lettres comme ça, hors de chez Action, que j'ai déjà. Mais c'est pas grave, Audrey. Je les utiliserai du coup encore plus avec grand plaisir dans les albums de mon fils et de ma fille, etc. Elle m'a mis des petits stickers comme ça avec du folk. D'ailleurs, ils sont trop trop mignons. Je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont trop mignons. Colorés avec du foil. Des petites cartes comme ça de scrapbooking. De comment ça s'appelle? Le Project Life, voilà. Vous avez les modèles derrière. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y en a combien? Je sais pas, il y en a combien. Mais en tout cas, elles ont l'air trop trop jolies.
Elles sont trop mignonnes, elles sont estivales. Ça, j'adore. Je crois qu'elle l'a trouvé chez Action aussi, mais moi, je les ai pas trouvées ceux-là. J'adore ces trucs-là dans le planeur. J'adore. Les trucs d'éco-time, je sais pas comment ça s'appelle. Transfert, enfin, vous grattez et ça se met dans le planeur. Ça, j'adore. Et le truc de malade qu'elle m'a mis, mais genre, elle va pas bien dans sa tête, hein. C'est un petit carnet comme ça de chez Mambi. Avec toutes les, l'alphabet, en fait, de différentes tailles, différentes couleurs. Mais juste, ça va pas bien. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est toujours utile dans le planeur. Dans... Enfin, voilà. D'ailleurs, je vous ai pas fait ma vidéo planeur du mois de novembre, mais je vais la faire sûrement dans la semaine. Je vais essayer prochainement. Sinon, bah, je ferai novembre-décembre en même temps, à la fin du mois. Hein, vous m'en voudrez pas. Mais voilà, elle est juste dingue. Donc, je suis trop contente. Merci Audrey. Fallait pas, mais c'est trop sympa tes petites merveilles. Mais fallait pas, vraiment. J'ai une petite enveloppe comme celle-ci. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va ouvrir. Ça se trouve, c'est une facture. Et non! Vous allez vous dire, la fille, elle reçoit pas de facture. Si, si, mais j'essaye de faire le tri avant de vous faire ma vidéo. C'est un petit paquet, et voilà. Vous savez que je l'adore. Vous l'avez vu dans ma vidéo Entrée des classes. J'en suis fan, d'ailleurs, je le porte aujourd'hui. C'est le fameux mascara de chez L'Oréal, le Paradise Esthétique. Je l'adore. Il a une brosse qui est juste sublime. Vous savez, un peu comme. Ah, on la voit là, chercher, vous voyez la brosse. Donc voilà, vous le voyez la brosse là, ici. Elle est un petit peu resserrée au milieu et élargie sur le bout. Et elle est vraiment... Elle est top. Je l'adore. Donc celui-ci, je vais pas l'ouvrir parce que le mien, il est presque fini. Et je vais l'utiliser juste après. D'ailleurs, en revanche, il sèche un tout petit peu vite. Parce que le mien, je l'ai ouvert au mois d'août. Et voilà, il est presque fini. Bon, ça m'aura duré 4 mois. 3-4 mois quand même. Bon, c'est pas mal, mais... Voilà. Et avec, j'ai eu un crayon Kajal comme ça, noir. Donc j'avais le blanc que j'avais reçu aussi. Je vous l'avais montré dans ma vidéo rentrée des classes. Et là, je suis contente d'avoir le noir parce que le noir, c'est ce qui va me servir le plus. Du coup, je vais l'utiliser très rapidement, hein, même tout de suite quasi. Donc là, je viens de le recevoir, donc je l'ai pas ouvert. Mais voilà, le crayon Kajal de la collection Paradise Kajal Esthétique. Donc je trouve que leur nouvelle collection chez L'Oréal, elle est vraiment très jolie. D'ailleurs, je crois qu'ils ont toute une collection comme ça avec des packaging gold et tout. Sublime, il n'y a rien à dire, c'est top. Sur la commande, vous savez, dans mon vlog, vous avez vu, j'ai commandé chez Lalala. Et ben voilà, j'ai reçu. Donc elle est là. C'est une Lala Box. Comme d'habitude, je vous mets ici mon lien de parrainage, enfin mon code de parrainage que vous pouvez mettre lorsque vous commandez, vous gagnez 5€, donc c'est pas du tout négligeable. À l'intérieur, je vois qu'on a un petit cadeau. Oh, on a une mini pâte à fixe. C'est trop mignon ça. D'ailleurs, faut que je vous fasse une vidéo avec un DIY sur ça. Faut que je recommande d'ailleurs. Donc voilà mon code hein, pour celles qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas vu. Donc c'est P et c'est un 0 et un F. Oh, mais c'est des grandes là, j'avais pas fait gaffe que c'était des grandes. Des fois, je perds la boule. Hein. Donc j'ai mon fils. Il y a beaucoup la famille. Ah voilà, je vais vous montrer celle que je peux vous montrer. Elles sont trop jolies, c'est style Polaroid, j'adore. Regardez, c'était mon anniversaire. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo cadeau d'anniversaire, voilà. Donc à mon anniversaire, avec mes copines de YouTube. Hein, les filles, j'ai développé la photo. Donc vous avez Jenna, Nani de la chaîne Nani, Lily, moi. Et ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Et bien sûr, on a aussi ma copine Uriel de la chaîne H Cosmétiques. Voilà, bon, voyez, j'ai développé mes petites photos d'anniversaire. J'adore cette application. Donc là, c'était avec mon mari, avec ma copine Mélanie. Donc voilà, mes enfants, bien sûr, je développe mes enfants qui font des bêtises. Avec ma copine aussi Virginie, qui est là, toujours Mélanie et Clémence. Donc voilà, j'ai développé les photos voilà, de tout ce qui se passe dans ma vie. Et je trouve que l'application, c'est génial parce que ça peut vous permettre de développer vos photos comme ça régulièrement et ne pas les oublier dans votre téléphone. Donc j'adore l'application, j'adore. Là, voilà, le packaging, il est top. Et voilà, vous recevez votre petite box avec vos dernières petites photos. Donc c'est top. Et le dernier, c'est un énorme colis. Mais je pense que je vais l'ouvrir dans une autre vidéo parce que sinon, cette vidéo va durer 25 ans. Donc on se retrouvera très vite pour le colis surprise d'une abonnée. Un colissimo d'une abonnée. Donc je vous le rajouterai enfin, dans une prochaine vidéo. Je pense que ça sera plus simple. Je vous fais des milliards de bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air sur les autres vidéos unboxing. Et on se dit à très très vite.